bonjour à tous les petits pains d'épices, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous présenter une game exceptionnelle, une game que j'ai joué en stream, une game full RNG. Je pense que vous n'avez jamais vu autant de RNG dans une game. Imaginez une quête d'Enatrius full RNG. Alors RNG c'est quoi? C'est l'aléatoire finalement, full aléatoire. Et on rajoute à ça un bibelot full aléatoire, ça fait une game folle. Et là vous êtes en train de vous dire, ouais bon c'est une game où il n'y a aucune technique, c'est une game où c'est que la RNG qui décide. Non, parce que c'est Hearthstone Battlegrounds. Et Battlegrounds, c'est un jeu avec de la RNG et de la technique. Mais en fait, si on a suffisamment de technique, on ne va jamais contrôler la RNG. Par contre, on peut lui donner une direction suffisamment bonne pour qu'elle nous fasse gagner. Et en fait, ce que vous allez voir dans cette game, c'est une game exceptionnelle, totalement dingue. Chaque tour, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais en même temps, cette RNG, avec beaucoup de technique, beaucoup de précision dans le gameplay, on arrive à en tirer que du bénéfique. Du bénéfice et pas du du plus et pas du moins, vous voyez l'idée? Alors que la RNG c'est du plus, du moins, du neutre, c'est tout. Bah justement la technique permet d'atténuer ça, d'atténuer les malus finalement que peuvent apporter la RNG. Bref, vous allez voir ça, vous allez comprendre et surtout vous allez prendre votre pied je pense. Petit rappel pour vous dire que vous êtes assez nombreux à suivre les vidéos quotidiennement et à ne pas être abonné. Je crois que c'est à peu près 30% des gens, même je le dis je crois dans la vidéo, vous êtes 30% à regarder tous les jours, parce que je propose deux vidéos par jour, une vers midi 14h et une autre en général vers 20h. N'hésitez pas à vous abonner, ça demande que un petit clic et moi ça me fait plaisir parce que ça me montre que bah, peut-être que 8-9 ans après la création de la chaîne, bah, je continue à finalement gagner des abonnés, même si c'est 1, 2, 3 par mois. Ça fait toujours plaisir, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça demande juste un petit clic. Et aussi alors ça peut être payant, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Alors Twitch est gratuit mais vous pouvez me soutenir sur Twitch, il y a deux façons de faire. Alors Twitch c'est les streams, les streams sur Twitch, je stream en général du lundi au vendredi, du matin au soir, voilà, donc de 10h-11h du mat à environ 18-19h. Sur Twitch vous pouvez vous abonner à la chaîne, soit de manière gratuite si vous possédez un compte Amazon Prime, donc si vous avez le compte Prime, vous savez avec les livraisons, les films, les séries, etc. Livraison gratuite, vous avez un abonnement gratuit tous les mois sur Twitch. Donc vraiment n'hésitez pas à l'activer, ça demande allez franchement 15 secondes pour l'activer sur Twitch et derrière bah, vous allez pouvoir soutenir un créateur de contenu. Vous c'est gratuit entre guillemets parce que vous avez, il est déjà inclus dans votre abonnement Prime mais personne ne le sait finalement, et bah, moi je peux vivre de mon travail grâce à cela, voilà, c'est vraiment important si jamais vous avez cette possibilité là. Et vous pouvez également vous abonner sur Twitch en payant, voilà, si jamais vous avez envie de passer un palier dans le soutien que vous pouvez m'apporter. Je crois que c'est 4€, quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment une aide importante. Et sur ce, je vous souhaite une longue vie déjà. Et une belle journée aussi. Et un délicieux visionnage. Dena ou Yogg? Dena, ça fait un peu flipper. Allez. Yogg, c'est plus safe, mais Yogg, ça construit pas du tout. Démon Murloc, Mecha, Pirate et LM. Y'a pas de ripop en fait. Donc on va prendre ça. Faut jouer des pirates ou des mechas. On va acheter tous les mechas du monde, hein. Pirate ou mecha. Et après on lance des sorts aléatoires de la taverne. Oh lolo, game casino, let's go. Est-ce que t'as le droit d'appeler ton enfant Denatrius? Oui je pense, Denatrius. Est-ce que t'as le droit de l'appeler Souveraine Sirène? Non. Vol'jin, oui Vol'jin tu peux je pense. On va faire ça aujourd'hui. on a dit quoi, pirate ou mecha? Et on veut vraiment rocher. Dans ce cas là on ferait ça et ça. Pirate ou mecha, ou alors on up. Non. Les sorts aléatoires de la taverne, est-ce que ça lance des sorts? Est-ce
Est-ce que ça lance les sorts de taverne supérieure? Par exemple, si on est taverne 3, est-ce que ça peut lancer des sorts de taverne 4 ou pas? C'est bien moi. Mélodieux et magnifique. Par contre, la tempo va être horrible. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'avoir vite. Hein. Mais je pense que je vais faire top 8 là. Avec un blessi- un, j'allais dire avec un plaisir non dissimulé, si un peu dissimulé quand même. Pirate ou mecha, ouais, c'est un pirate ça. Oh là 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 là. Quelle game de con. C'est une game de con. J'aime pas être vulgaire, mais je crois que c'est le terme là. C'est vraiment une game. Techniquement, c'est une game de con. Dans quelques années, ce sera marrant à la crèche entre les Sangoku, les Gandalf et les Iron Man. Non, Iron Man, je pense que t'as pas le droit. Mais Gandalf, Sangoku, ouais. T'imagines, il y aura peut-être deux enfants, ils vont discuter, deux bébés, ils vont... Enfin, des bébés enfants, quoi. Le spécialiste, bébé enfant. Ils vont discuter, il y aura un Frodon Sake qui va discuter avec un Gandalf. Un Frodon qui va discuter avec un Gandalf. Et il y aura un petit bébé qui leur jettera des cailloux. Son prénom sera Saruman. Il y aura un Saruman. Je sais pas si t'as le droit à Saruman. Bah si, t'as le droit à Gandalf, t'as le droit à Saruman. La crèche, Gandalf et Saruman. Incroyable. Non mais incroyable. C'est incroyable ça. Si ça arrive, je vais être là. Je veux voir ça. Pirate ou mecha. Bon, on peut refaire ça, hein. Jouer 9 pirates ou mecha. Pirate, mecha. Let's gong. J'adore surfer les vagues. Non, je pense Voldemort, t'as pas le droit, il y a le mot mort dedans. Je pense que Voldemort, c'est interdit. Bref, on a dit qui ça, on n'a pas le droit. Denatrius, je pense qu'on a le droit. Vol'jin, je pense qu'on a le droit. Eudora, évidemment, t'as le droit. Eudora, c'est sympa en plus, Eudora. Le grand... Tant pis si ça s'appelle comment. Le grand Akazam Zarak. Mais pardon, Akazam Zarak, je pense que tu peux. Akazam Zarak. Mais il faut que tu sois indien. Enzot. DJ Enzot. Non, Enzot, Enzot. Si Enzot, tu peux Enzot. Mais avec EN, genre Enzot comme Enzo, mais Enzot. Le concert. Ça fait ton fils le. AFK, non, tu peux pas. AFK. Ou. AFK. AF. Si, AFK. AF. AFK. Si, AFK, je pense que tu peux. Pas écrit comme ça, évidemment, mais je pense que tu peux AFK. Carniflore. Ouais, non, je pense Carniflore, tu peux pas. Zephyrus? Non, Zephyrus, tu peux pas. Zephyrus, tu peux, je pense. C'est de quelle origine? Ça vient de BG. En toute décontraction, tu sais. Ah, Vol'jin, c'est sympa, ça vient de quoi? Ça vient de BG. Ça échange les stats. C'est de quelle origine? Ça échange les stats. Mon dieu. On vit dans un sacré monde. Hein. Inutile de retenir vos applaudissements. Mon fils, il fait quoi dans la vie? Bah, il échange les stats. Écoute. Ah, il est comptable? Non, il échange les stats, c'est Vol'jin. Ok.
la roue, hein. On part en mode full. Est-ce qu'on partirait pas en mode full RNG? Let's go. Pas manger. Ah, c'est chiant, ça fait un peu de dégâts, ça. Je veux tripler maintenant, hein, ou alors on attend un tour. Non, il y a tellement de sorts qui trollent que... Je triple maintenant, ça me choque pas. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouh, je vous ai à l'œil. Menteur, ça peut être sympa si on mange si on a des boosts de taverne avec ça. Mais là vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ta game là, mec? J'attendais que vous me l'expliquiez. Full RNG, j'ai trop gagné de points depuis le début du stream, j'ai envie d'en perdre un peu. C'est parti. Bonjour. Ok, let's go. Éprouvez-vous un peu. Vous pouvez y arriver. Ça, c'est les sorts de Tika. Tika. Et ça, c'est les sorts. Pièce, boost, pomme à go-go. Ok, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on a un peu de retard, j'ai l'impression. Mais... Je crois que je vais double up. Hein. Non. Ouais. Déjà par rapport au sort, quoi. Même par rapport à ça. Quoique ça peut jouer des... Ça, c'est pareil, hein. Si ça joue les sorts, ça peut jouer des sorts que de la taverne X ou... Enfin, X et moins. Je pense. C'est vraiment drôle, tout ça. Lance 5 sorts. Ça marche avec Nala ou pas? Oh, une embuscade. Nala, elle dit lance, hein? Non? Nala, c'est quand tu castes. Quand tu joues. Casse, c'est lancé ou jouer? Casse, c'est lancé, hein. Ah zut. Ça devrait marcher, mais bon. Après, est-ce qu'on va y arriver? Cette Nala. C'est sûr, ça. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Toi, c'est nul, non? Ah non, c'est les sorts. Ah bah tiens, il manquait des sorts. C'est pas mal. Oh! Ma foi.
Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Ça, ça peut être pas mal si j'arrive à trouver un sort qui évolue les cartes en de 4 à 5. D'ailleurs, je pourrais peut-être essayer d'accéder à l'Anala, enfin, vous voyez l'idée. C'était drôle uniquement au moment où on l'a validé, mais je crois que le top 8 il va pas nous faire rire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est un métier de spectacle. Hein. Streamer, c'est un métier de spectacle. Il faut savoir se sacrifier notre cote pour du spectacle. J'espère que vous appréciez ce moment. Merci pour le pestacle. Avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Ça, c'est les sorts, c'est vrai. Il manquait un peu de sorts. Lol. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bon, c'est pas des trucs fous, hein. Ça, c'est quand même bien. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. J'ai pas confiance non plus. Ah, vous n'avez pas réussi. Vous avez soif ? Niquez leur cadeau festif. Salut, Moussaillon ! Un ajout de qualité. J'adore surfer les boys. J'adore surfer les boys. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Reprenez votre esprit et remettez le pied à l'étrier. Chercher des noises de sitôt. Je laisse leur entre vous. Gangros, Argueras. Ouais, j'ai qu'un seul démon. Décidément. Je suis en haut de la chaîne alimentaire.
Granit Chaka. Ok. Vous êtes en bonne voie. On n'aura pas fait top 8. Un exploit incommensurable. Si vous assistez, tout sera dévoilé. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Se fier. Des cerveaux. J'adore surfer les vagues. En bonne voie. Malsain. Ah GG. Le problème c'est où aller les PV en fait, je crois. Hein. De l'armure là. On peut balancer de l'armure avec ça. Ou alors jouer contre le mort si jamais. Ok. Oh. Miam miam miam. Bah virer lui hein. LM de surprise. Nala. Non, LM de surprise. C'est pas mal avec ça.
Oh, ça peut être cool ça, sur un tour. Je pense que ça c'est trop lent. Ah, ça c'est pas dangereux ? Peut-être c'est dangereux en fait. Est-ce qu'on veut greffer ? Ouais, je pense que c'est quand même ok. Bah, c'est aussi pour ça que je l'ai pris quoi. On double les PV ou l'attaque ? Plutôt les PV, non ? Vu qu'il y a mecha, on veut plein de PV. On va le mettre là, je pense. Donc il y a lui à passer. Ah dommage, ça aurait été beau de taper dans lui. Oh! Ah non, j'allais dire, ah dommage, j'aurais pu presque avoir un monde fou, mais un monde quand même. Top 4. Oh, incroyable ce top 4. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ça c'est les sorts de Tika. Tika, Tika. Qui rapporte. J'adore les percussions. Des cerveaux. Bon ben, plus qu'à attendre et aller bon ben, plus qu'à attendre et aller toucher. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Le fléau va vous consumer. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Je pense qu'un Sargasse de plus, ça change rien. Oh, attendez, il y a un monde où... Non. J'allais dire, il y a un monde où je suis dans les... Dans le 1%, hein. Enfin, les clés meurent, peut-être. Quoique. Poison, ça va être chiant plus tard. Gangro. Mecha, on est pas mal contre Mecha, on a beaucoup de points de vie. Manger, c'est bien. Je crois qu'on va up pour essayer de tripler ce Gangro. Ok. On va dorer Titus ou Gangro. Ça on prend. En fait il nous faut soit un Titus soit
Ah non. Non mais je crois que j'ai le play en tête. Après peut-être ça vire. Hein. Contre Mecha en plus c'est pas si fou. Faudrait pas dorer lui. Je dors lui. Et je redors un truc. Merde, pas lui. T'as un troller, mec. Sur les devants là-dessus. Après, on peut en mettre un deuxième. Hein. Soit un deuxième, soit une championne. Plutôt un deuxième, je pense. Non, parce qu'on va le virer lui. Je suis en haut de la chaîne alimentaire. C'est juste pour le combat. Sacré bon filon, ne lâchez pas. Je pense qu'on a trop de points de vie pour lui. Mecha, c'est un très bon match-up. Par contre, Murloc, je pense qu'on passera pas. À la main. Enfin, c'est dommage qu'il s'est doré lui-même. Ça, j'aime bien quand il y a pirate, justement, parce que tu peux avoir le. Bah, le Colonel Thunder, c'est. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais. Thunders. Je sais pas comment il s'appelle, le gars. Vous m'avez compris. Ok. Boubou divin. Ouais, je pense que les PV c'est quand même vraiment important. Il faut juste que Murloc perde contre l'autre. T'as 26, je joue rien. Ça c'est quand même énorme. Hein. On aurait pu monter beaucoup de stats avec le... Je vous explique après. Que je disais. Ouais, on aurait pu monter beaucoup de stats avec le polarisant, avec les Sargeras et polarisant, avec le magnète. Le problème, c'est que j'avais pas de gestion d'économie et j'avais pas de points de vie. Donc j'ai considéré qu'il fallait avoir plus de temps pour mettre ça en place, mais ça aurait été peut-être plus fort et encore pas. Ouais, non, pas certain, parce que là, manger quand même, c'est débile. Sur Titus, Boubou Divin est pas viable ? Non, je pense pas, parce que mon Gangropter, mon démon, il a la furie des vents. En fait, si je joue contre Mecha, j'ai forcément gagné, je pense. Enfin, faut voir, mais en tout cas, si je joue contre Mecha, j'ai plus le droit de perdre après avoir dit ça, non? C'est fou de pas tripler ce gars-là. Oh, il y avait un bon sort là, pour potentiellement le tripler. Si...
Ah, on va tripler. Oh non! On pouvait tripler Atrocité. Bon, ça change pas grand chose. Mais... Bon, bah non. Non, en fait. Ah bah voilà. C'est bien aussi. Hein. On change de pouvoir. Découvre un nouveau pouvoir. Le pouvoir c'est ça. Hein. Non je vais faire ça. Je vais rester comme ça en fait je crois. Non. Lui, il est quand même gros. Il fait quand même des trades hein, contre lui. Mais je pense que je vais jouer 100%, non? J'ai l'impression que mon board, il est énorme. Enfin, en tout cas, dans ce match-up-là, il est énorme. J'ai pas envie de changer ma sorcellerie. Bah, après, ça peut tellement troll. Trop tard. En vrai, peut-être ça peut troll. Ouais, ça troll rarement. Si ça donne taunt à Titus. Ouais, j'aurais peut-être dû changer, mais... Ça peut être chiant, ça va. Ah remarque, faudrait que le Leroy il tape dans... Ouais. Non je pense que j'ai gagné. Parce qu'il va pas mourir mon Titus et il va pas mourir mon Sargeras. A été bizarre cette game, hein. Full RNG. On a bourriné la taverne 1 pour ça. Et à partir du moment où on a eu ça, on a up et on a essayé de construire des trucs grands. Mais c'était incroyable. J'ai jamais mis autant de RNG dans une game. Même ça, c'est RNG en vrai. Tu contrôles même pas. 100% RNG. Incroyable. Top 1. Bon, 100% RNG, mais 300% technique surtout. Mais c'est beau, hein. C'est une belle partie de jeu, hein, franchement. Je suis pas mauvais, hein.